27 qui t'a dominé journal la signal sans force à côté pour lundi 20 novembre 2017 là. Finalement, président République là, remobilisé force la Médaïti qui t'écrasait depuis l'année 1994. Dans discours, il fait dans occasion dans ville au Cap en présence à 150 militaires. Donc, Jovenel Moïse a déclaré, yon page histoire tournée, yon nouveau chapitre l'ouvrit. Président République là, déposé yon jefflet dans pied monument vertien dans section communale Haut du Cap pour te rendre hommage à héros indépendance. Jovenel Moïse qui t'a accompagné avec la première dame dans premier ministre à gros dignité dans l'État, t'es participé dans une cérémonie pour commémorer 214e anniversaire bataille vertien pour te rendre Haïti indépendance. Nous rappeler ça, 1er janvier 1804. Jodel Le Sage, à 63 l'année, c'est non commandant en chef pour Tiboutan force l'armée d'Haïti, ligue grade lieutenant général. Ancien colonel FADH Langue pour mission mette campé au état-major nouvelle force l'armée d'Haïti. Communauté internationale a gain pour rejoindre initiative Jovenel Moïse prend pour remobiliser l'armée d'Haïti d'après opinion Imler Rebuc lui-même qui c'est ancien colonel FADH. Plusieurs milliers de citoyens sont invités à position politique manifestée dans la rue Port-au-Prince samedi 18 novembre passé à dans occasion 214e anniversaire bataille des vertiens. Donc dans objectif ça c'était pour dire non à la remobilisation force l'armée d'Haïti, dénoncer loi finance 2017 à 2018 là et puis exiger départ équipe qui sous pouvoir. Conseil supérieur pouvoir judiciaire certifié qui donc bail certificat à 35 juges qui toujours au même rété dans système là. Et puis, yon mette de yon 7 juges parmi yon la ma Belize. Donc, la ma Belize pas certifié. Liste juge sa yon te présenté week-end passé à la cour CSPJ sous route frère. Comme l'était annoncé, le ministre de Justice, Eddie Fortuné, li révoqué 4 substituts commissaires gouvernement qui étaient impliqués dans le dossier Calico Beach. Li remettre tout yon lettre blâme by ancien porte-parole Pakeya Mirlanda Dupiche Prévost qui lui-même t'a failli avec obligation professionnelle li dans le cadre du dossier Calico Beach. Et puis, Henri Yovalkou, tout le monde connaît son nom, Boulo Valkou, mourit à l'âge de 71 ans, vendredi 17 novembre. M'a passé à New York côté l'hôpital l'état prend soin depuis 3 mois. L'amour guitariste chanteur compositeur Boulo Valkou te si quitté yon vide dans secteur culturel haïtien d'après ministre communication Limon Toussaint. Gen plusieurs parlementaires surtout députés qui étaient présents dans manifestation ça, gen député et Paul Salut Ancien Albert 30 et gen député Printemps Belizère lui-même qui était fait tout parcours et bien li leve voile pour le dénoncer une autre fois encore quelques employés ministère intérieur li dit que t'es venu pour faire des ordres dans manifestation hein. Li fait connait mobilisation hein. Li pas campé mobilisation contre la maison a li a continué et y a bataille pour retirer équipe tête caléa sous pouvoir. Député Lavalas a déclaré y a cherché information sous manifestant yo fait connait la police ta et ta arrêté des députés Paul Salut Ancien Albert 30 et sous Bopal lui-même qui dénonçait décret président Jovenel Moïse prend pour remettre la main à campé ça relait la main rose là parlementaire Lavalas la critiqué collègue li il dit qui pas gêné pour prendre un avion pour aller participer dans mascarade dans Noah il a parlé des collègues parlementaires yo il fait connait il a prêté mobilisé jusqu'à ce que yo joigne bout régime tête caléa. Nous invite au côté député Printemps Belizère avec député Sinal Bertrand dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Bon, la presse était présente depuis début manifestation nous pas couru et puis zéro passé autour de Delma pour arriver au niveau de la commune de Petitsonville et arrivé au niveau et zone Boudon nous voyons qu'il y a des attaches du pouvoir parce que depuis que série des manifestations ça a commencé contre le régime en place là nous connaissons que pouvoir tout entrer dans dynamique et dévoyer attaches utiliser attaches tirer sur manifestants yo voyer sur manifestants et nous voyons pendant qu'il y a voyer chez la police intervenir aura les badjo pour montrer que c'est attaché intérieur qui est donc dans ce sens ça nous-mêmes et nous dit manifestations que la fait sont des manifestations pacifiques et tentatives ça qui était fait tout ébruer les conteneurs ça qui côté que grand bande matériel qui brûlait là-dedans donc nous-mêmes nous déplorer ça et
parce que nous pas rentrer dans dynamique de violence à travers des manifestations parce que nous même nous dit nous pas accepter même monde dans mitan nous utiliser moyen violence pour faire revendication parce que je veux dire là tout monde reconnaît que bataille qui n'a mené c'est pas bataille pour un parti politique c'est une bataille qui engage l'ensemble des citoyens du pays l'ensemble des monde qui l'a mais ça a été violé l'ensemble des monde qui était sibi déjà qui était sibi et des arrestations illégales monde qui était qui était enlevé monde qui disparaît dans fort dimanche monde qui mouri et dans différents prisons dans pays à monde qui prend exil jusqu'à maintenant monde ça vivre cicatrice et ancienne armée ça jodi là nous dit nous besoin les renforcements de l'institution policière jodi là nous gagne la police qui pas capable toucher nèg pas capable toucher pas capable pas capable moins moyen pour voyer petit à l'école il a mal vivre a fait 12 ans de temps de travail donc nous croyons que si on pouvoir qui un minimum de vision jodi là on a une politique de renforcement son politique de renforcement de l'institution policière on pas croire que son comme à coûte que régime ça ta derrière réimplanté dans le pays et te gagne un manifestant yo t'ai arrêté et les policiers ont venu réaliser ni c'est pas t'envoyé roche donc et yo t'ai libéré lui mais gagne rumeur qui fait connait que on connaît moun yo en pile gagne des manifestants qui arrêté donc nous va mener des enquêtes pour nous connaître est-ce que gagne manifestants qui arrêté. Non présence non seulement pour me dénoncer des députés sénateurs qui sans dimension journée jodia qui prend avion de traite à supporter l'armée d'Haïti au Cap non seulement là pour dénoncer mais on connaît position ça fait 6 ans c'est toujours bon côté peuple là c'est seul monde qui va oublier qui côté le sorti et mais journée jodia n'a dit aba un qu'il paye aba militaire sanguinaire ça n'a regardé en dedans moniteur yo fait référence à décret 58 ça veut dire c'est même l'armée d'Haïti n'a yo vinn imposer là m'a encouragé tout pour notre population, pour nous continuer à prendre béton, pour nous dire Abba Jovenel, il faut nous courir derrière qu'il paye, et puis au moins pour nous dire Abba l'armée sanguinaire. Nous, minorités, en déballement, mais ouais, sous, dans la ria, sous béton, on va minorité. Et mais c'est sensibiliser, c'est continuer et dénoncer, député, sans dimension ça, qui oublie, je ne veux dire, tout privilège, tout avantage, au gain, c'est masse, peuple, avec Bayol. Et mais je ne veux dire, on a invité toute population en général pour dire Abba, Jean des députés, ça, Abba. Bas gens des sénateurs à bas un qu'il peut Jovenel Moïse. On a écouté député 3e circonscription Port-au-Prince, Printemps Bélizier, à député et Sénal Bertrand, qui s'est député Port-Salut, même qui était dans le micro, journaliste radio, qui est à ambiance manifestation. Il y a un grand conseiller unité, ancien ministre Paul Denis, qui montrait tête chargée les gains sous décision président Jovenel Moïse prend pour récamper la MEA. Il croit plutôt président Jovenel Moïse a suivi trace Papa Doc là. L'aile décidé récamper ça lui-même, les relais yon milice qui prend les outils politiques pour régler les affaires concernant l'île contre corruption. Ancien sénateur a dit li pa wè aucun signal qui montrait chef l'État bataille contre corruption. Nous invitons côté Paul Denis dans micro Beethoven François Fils. C'est une obsession liée pour le président Jovenel. Alors, nous respectons lorsque le gond là n'est qu'à construire dans le pays. Il y a deux modalités pour faire une procès. Il y a un genre. Et puis, lorsque nous avons là, mais nous n'avons pas gond là, mais encore, pour retourner à l'armée, il faut nous dire pourquoi. Et d'abord, il faut dire nettement et clairement, le pays n'a pas de moyens pour se payer une armée. Nous n'avons pas de moyens pour nous voir tout le monde à l'école qui en a joué à l'école. Nous n'avons pas de moyens pour nous voir le monde qui fait philosophie, les élèves qui font philosophie, pour les jeunes universités, pour les jeunes de l'école digne de ce nom, que ce soit au niveau de l'école primaire, secondaire, universitaire. Des établissements de formation, d'éducation digne de ce nom. Et dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas gagné un hôpital qui offre vraiment les garanties de travailler dans l'hôpital, ce monde est extrêmement grave. Et pour qu'on ait aussi un traitement approprié, un traitement de qualité, etc. Nous sommes un pays qui n'a pas gagné, qui est dépourvu d'infrastructures
Alors, lorsqu'on parle dans l'âme, qui n'existe pas, ou à former dans le secret, dit tout simplement, ou bien dit former au milice. Mais ça, pas, monde apprenait, et le président Jovenel l'a marché sur les traces de François Duvalier pour une construction milice, pour créer des adversaires politiques, etc., etc., pour faire la terreur dans ce pays. Mais ça va passer. Ça va passer. Donc, en ce qui concerne la lutte contre la corruption, eh bien, nous appuyons que contre la corruption, il faut que nous des signaux clairs qui baillent depuis en haut, descendent jusqu'en bas. Non pas qu'on voit jeudi à là, en quoi consiste cette lutte contre la corruption dont le président Jovenel Moïse, et depuis l'ouvert bouche, il a parlé de ça. Lorsqu'on vient des institutions, d'un coup, UPF, ULCC, et nous restons passés avec ULCC il y a peu. Et WAP, ou pas bail au moyen, vous voulez pour prendre contrôle pour le travail aux ordres, alors que ce devait être des institutions qui ont autonomie, qui ont indépendance pour le travail. Et l'État fournit les moyens nécessaires pour être capable d'assumer la mission que l'État baille pour assumer. Alors, là, parle de lutte contre la corruption. Et si vous voulez tromper, à qui vous voulez parler ou, et il est fondamental que le président Jovenel, deux ans parler de lutte contre la corruption, il commence à voir les signaux. Les signaux, on les cherche, nous en vivons, même pas qu'à voir. Voilà, on a écouté et grand conseiller unité, ancien ministre Paul Denis, ses mêmes réactions à bon côté coordonnateur vérité à Génard Joseph, qui dénonçait décision ça, chef l'État prend, qui, d'après lui-même, qui pas dans intérêt population, il notait absence débat, largement large, tout secteur, sous, une question comme ça, qui fondamentale pour pays, il pas bien, ouais, engagement président, il prend pour gourmet contre corruption, il dit, il pas prend des marches, président, de Jovenel Moïse là au sérieux. Nous invitons à écouter Génard Joseph, toujours dans le micro, Bito Vince, François Fils. Moi, je pense que j'en ai toujours dit la position non pas censée, qui est question la mienne, il n'est pas capable de question un seul monde, et par rapport à Jean, chef l'État a monté la mienne, il peut être en pile là. Inquiétude, la caille nous-mêmes, nous pensons que question ça n'a pas débattu assez. Problème yo pas posé et gen un pile risque pour que la mesa li mette au service et régime là au service et gouvernement et yon n'a pas qui ban nou plus problème c'est dans discours président l'el marié discours la meilleure jodi à bataille corruption président risque encore mette nous en plus inquiétude l'el nou connaît que c'est régime tête calée et qui gen tout mais là tout colle au bien non par exemple en de corruption dans 5 ans sur parti là particulièrement dans gaspiller fonds pétro-caribéo là nous connaît que nous pas capable garder c'est tout monde en pile gros dignité qui autour des présidents journée aujourd'hui là donc mon ça yo gamin yo blé trempé dans fonds pétro-caribéo est-ce que je dis à l'en garder question qui scolaire là nous garder un pile l'autre de qui gagne là je dis encore dans gouvernement ça qui là comment le monde qui arrivé pour un chef l'état au sérieux dans ça l'a fait donc en tout cas nous maintenant vérité nous aller chez banon chita et n'attend jou cap venir parce que ensemble de manipulation les monde qui autour de pouvoir faire des derniers rapports qui bail sur tout au caribéen ensemble de manipulation que les partisans PHTK, gouvernement, eux-mêmes qui n'ont pas le mandat Sénat, commencent à bouiller. Donc, ça va mettre nous dans une inquiétude. Comme le président a parlé, depuis la tribune l'ONU, il a parlé bien fort qu'il pourrait mener une bataille contre la corruption. Comme je dis, et qui bouge tout le pays ici, chaque parti est en le pays, le lui-même pour faire pour bataille la corruption. Eh bien, nous, quand on est là, dans la foi, là, le président, chef de l'État, ici, vous voyez, en pilotité dans le monde. Donc, c'est pas oublié que c'est le chef de l'État, tout le monde, et l'arrivée dans l'État, n'a pas eu de crochet, tout le monde connaît qu'il y a ensemble de dossiers, et qui pesaient sous dos chef de l'État, lui-même, et tout le monde connaît que l'élection chef de l'État qui portait sous pouvoir, il découlait de l'ensemble
de fourrer mais toute longue dans qu'est-ce qui t'a fait particulièrement sur compte au Caribe à qui fait et l'organe chef cabinet président je dis à monsieur Wilson là le son moi je regarder dans tout rapport les mêmes et monsieur fait doctorat dans fourrer mais toute longue dans compte au Caribe. Donc je dis à nous-mêmes nous encore en pile d'autres nous loin encore pour nous prendre chef l'état au sérieux. Nous continuerons même étudier autour du gouvernement ça. Comme je dis à l'ITV, comme hier à l'ITV, à l'ITAP fait Gougoge, eh bien, nous avons un jour qui s'accroche le fait, effectivement, pour courir les derniers rapports sur Petro Caribe qui sont preuves flagrants de corruption et qui touchent tout compartiment de l'État. Nous avons un là pour nous voir, effectivement, si ça me divertit, là, c'est ça le point qui va le faire, l'arrivée dans le palais national. Voilà, nous t'avons écouté Génard Joseph, qui s'est coordonnateur Vérité, qui était dans le micro, Beethoven, François Fils, secrétaire général Fusion à Rosemont, Pradel, Kouesséon, Lamé, et Palais National, pour façon limontéa, les dénoncer président, qui pas attendait appel divers secteurs et lancé sous dossier ça. Pour Fusion, Lamea, c'est un outil politique qui prend le service chef l'État. Rosemont Pradel, toujours dans le micro, Beethoven, François Fils. Nous croyons que le président a pris une bonne décision hier, malgré tous les débats qui fait autour de cette question de l'armée. Bon, président, comme c'est toujours réaction, le président a parlé point barre, donc il n'a pas tenu compte de sa monnaie. Donc, il a monté une armée qui, loin de là, pas pour l'armée, et peuple haïtien, il dit pas pour l'armée nationale, là pour l'armée palais national. Parce que, on réfléchit bien. Le président voulait faire une armée qui prend au service du peuple haïtien, ça m'a cabré, une armée nationale. Donc, on pense que, faut que tu aies une consultation nationale, faut que tu aies une consultation des différents secteurs de la vie nationale. Là, on fait ça. C'est pas parce qu'on fait, non? C'est pas de mon président de la République. Normalement. Ça pour chercher de façon générale. C'est consensus entre les différents secteurs de la vie nationale. C'est pas confronter, c'est pas affronter. C'est d'abord chercher, ça nous a cabrélé, une sorte de vivre ensemble, une sorte d'accord entre les différents secteurs, de telle sorte que pour mener une gouvernance calme en un pays dans l'intérêt de la majorité de la population. C'est pas si vous faites ça comme si vous faites ça pour consulter le monde ou tant de monde et ne pas vous changer et puis à nous non pas président ou faire pour son président. Fait, c'est pas vrai. Au contraire, c'est laisse son président. Et l'armée d'Haïti, une institution qui vient pour jouer un rôle très sérieux en un pays à qui c'est qu'on s'est monté. Tu vois? Au contraire, il fait pour le démonter dans Santa Cabrelli et une convivialité et dans le pays. Faut pas monter, faut pas monter, il pas doué monter dans un cadre de contestation. Tu vois, moi je pense que c'est une erreur. En ce qui a trait combat de corruption, là encore, je trouve que c'est un peu. Même dit que c'est un manque d'égard à intelligence commune. Comment vous pouvez mener une campagne contre corruption, organe contre corruption, et nous prenons l'île, nous mettons le palais national. Et ULCC, nous prenons l'île, nous faisons des modifications, nous faisons des modifications de loi, et parlement voté des lois, côté Kounia, par la Vin Tourné, et bras pouvoir exécutif là. C'est un qui est-ce qui directeur général dit, c'est un membre influent de PHTK. Donc de quoi on a parlé là? Comment et Mounza pral capable faire ça n'ta carré une enquête sérieux contre des pouvoirs qui étaient là. C'est pas possible. Donc ou pas qu'à juger parti en même temps. Pourquoi que c'est des mots, c'est des slogans qu'il a lancé, que le président a essayé de lancer, mais qui pas convainc moun?
Nous avons écouté ingénieur Rosemont Pradel, qui est secrétaire général Fusion, qui est dans le micro. Beethoven's, François Fils, nous avons fait un coup de pied dans l'actualité internationale. Là, nous prenons dans le pays Chili. Côté hier, il y a une élection pour poste président. C'est conservateur Piñera et socialiste Guillier, qui est même qui qualifié pour aller dans le deuxième tour. Dans le pays Chili, ancien chef l'État et milliardaire Sébastien Piñera, avec journaliste Alejandro Guillier, ils prennent affronter 17 décembre qui a venu là, dans le deuxième tour élection présidentielle, yo, pour capable remplacer socialiste Michel Bachelet. Eh bien, et chef l'État à droite là, Sébastien Piñera, lui arrivé en tête à hier dimanche là, dans l'élection, dans le premier tour élection présidentielle dans le pays Chili, lui pral affronter et candidat socialiste, journaliste Alejandro Guillier, lui-même pour capable remplacer candidat gauche Michel Bachelet. Et milliardaire Sébastien Piñera, il finit en première position avec 36.6% vote yo, et puis en deuxième position, et journaliste là, il finit avec 22.6% voix yo, selon résultat partiel qui baille, là, au fin fait dépouillement sous 90% vote qui déjà diffusé dans la nuit dimanche là, c'est autorité électorale chilienne yo. Eh bien, et gain candidat à coalition extrême gauche la Fuente Amplio Beatriz Sanchez qui finit en troisième position, il dit c'est surprise élection ça, il fait 20.3% vote et candidat extrême droite José Antonio Casa lui-même qui par jamais suspend revendiquer tête lui son héritage dictatie à Augusto Pinochet en 1973 pour 90 et bien il finit en quatrième position, il fait 7.9% voyons. Émission parler pour avancer côté directeur général nous Marvel Dandin après se voir la tête Moléga Fla, Oxygène David qui a fait analyse sur mobilisation qui t'en met depuis quelque temps contre président Jovenel Moïse. Là. Si une mobilisation anti-Jovenel, et nous même au niveau Moléga Fla, nous fait comme ça, nous comprenons, et Jovenel représentait donc une classe. Et le projet qui compte nous, et nous, à travers Bidier, population pas d'accord, mais nous même nous pas arrêter bois croisé à garder donc population mobilisée dans le combat de contre média pour nous être bois croisé au niveau monégasque nous participer mais ça va veut dire politiquement nous rejoindre tout groupe là tout avant garder qu'a fait mobilisation mais politiquement dans l'intérêt population nous frapper avec tout notre groupe pour nous capoter Jovenel donc étirer on parle national parce que la vieux easy pater élection donc c'est mal organisé c'est volé donc yo volé élection pour nommer Jovenel yo nommer Jovenel la veut dire ambassade yo nommer Jovenel donc gros pays impérialiste nommer Jovenel pour politique néolibérale la capable continuer pour exploitation la classe ouvrière capable continuer pour miser dans quartier populaire capable continuer c'est ça que fait nommer Jovenel mais nous devons combattre et même arriver à battre pour gagner l'autre élection qui est organisée pour parti qui dit abattre combattre et abattre. Donc, abat, là, il parle en expression physique. Donc, en matière, il ne parle pas prendre le sens physique. Non, pas prendre le sens physique. C'est pour montrer, donc, et comportement, donc, hostile nous, et hostilité nous, donc, et par rapport à la position des classes, nous. Contre Jovenel, cap supportons en classe. Uniquement, nous, avons combat théorique, nous, avons combat idéologique, nous, combat, donc, pour changer un gouvernement qui n'a pas capoté fou pour m'assurer, mais nous parlons de combat physique. Et l'extrêmement important pour le oui, moi, bon sens. D'accord, mais nous avons un combat donc, pour nous capables d'arriver et tirer M. Jovenel sous pouvoir et pour permettre à ce qu'il y ait une autre élection qui est organisée dans le sens et donc élection. Non, mais ça n'a pas même au courant, ou pas même certain, il est capable de briver parce que quand on dit c'est frapper ensemble. Non, opposition, lui-même, il du travail, il d'avantage. Ça, c'est une opposition anarchiste. Non, nous combattons la question de l'anarchie. Nous combattons l'anarchie. Nous combattons l'anarchie. Nous combattons l'anarchie. Les gens qui ont dénoncé l'anarcho-populisme. Non, au compte de ça, quel ligue comportement ça, à chaque fois, peuple, lui-même prend la rue, à dénoncer, à manifester, à répondre avec question de violence, il dit les violences. Il y a une réponse à la violence, pas vrai dire violence. Pas vrai dire, c'est un élément de violence. Si déjà je suis en train de pas qu'à manger, petit peu fait des kilos, je pas venir travailler, pas une politique d'emploi, je pas eu pour m'aider, donc je ne pas toujours dans la misère, donc dans la honte, dans l'humiliation. Si je réagis face à la misère, ça donc société, la minorité, zut là, qui est richesse pays, je ne pas qu'à dire violent. On soit à terre minorité ça, rester avec minorité ça, porte-parole minorité ça, pas qu'à dire violent.
Parce que c'est répondre, répondre avec violence, système en fait sous moi, et M. Marvel. Ça va quand même dire violent. Réponse à la violence, pas dire violent. Si vous vous cassez tout, donc vous répondez tout. Et pas violent, c'est réponse qu'on baille. Bon, c'est les peuples qui ont la ria, la demande de caille, la demande de oui, la demande de légitime défense. Ça, c'est clair. Clair. Donc, le système fait violence sous nous. La bourgeoisie haïtienne fait violence sous nous comme peuple. Donc, et l'État, qui c'est l'État bourgeois, il fait violence sous nous comme peuple, comme ouvrier, comme travailleur, comme professeur, comme petit machin. Donc, comme monde qui a bon papadap, comme monde qui a vécu le corridor Hervé, dans le Fonds National, Belé, la Saline, Gadjin a vécu, ce système qui fait violence sous nous. Donc, ce n'est pas nous violents. Si nous répondons à travers mobilisation donc, démocratique, pour 4 mai, pas qu'à dire nous violons. Pas qu'à dire, donc, nous avons l'élément Cité Soleil qui est dans le grand bout. Donc, l'air a manifesté. Non, non, ça, on est là. C'est là que vous renversez le pouvoir pour renverser le monde, par contre, nous devons mettre en place. Ah, mais c'est ça, elle nous dit l'opposition doit définir. L'opposition n'est pas un seul. Non, mais c'est ça qui est schéma. Non. On dit c'est frapper ensemble, marcher séparé. Frapper ensemble pour capoter le gouvernement, mais marcher séparé pour construire une politique. Mais c'est irresponsable. Pour construire une politique. Parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec le journal, mais vous n'êtes pas capable de renverser le pouvoir contre ça qui a mis en place. Ah, mais c'est ça nous. Et c'est ça nous fait acheter. C'est ça nous demander. Nous demander pour l'opposition, pas arrêter seulement comme l'opposition qui a gardé, donc mobilisation, manifestation. Si l'opposition, c'est l'opposition qui a un programme, qui a une idée, on nous la donne. On a frappé ensemble et on a marché ensemble. Voilà, nous t'avons écouté un extrait émission parler pour nous avancer côté directeur général Lou Marvel Dandette après recevoir à la tête Molégafla Oxygène David qui t'a parlé sous bataille qui a fait contre pouvoir en place là et une émission n'a bien chance pour nous retarder tout de suite après journal alternatif.